Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un petit le Normand un petit le Normand autopublié qui m'a été envoyé par sa créatrice Virginie l'évêque pour pouvoir le partager avec vous et vous allez voir il est tout simplement magnifique. Je ne l'ai pas encore déballé parce que je voulais vous montrer le soin euh, apporté euh, ben, au, à l'emballage du petit paquet. Euh, mais j'ai déjà vu les, les cartes, évidemment, euh, sur ses réseaux sociaux. Hein. C'est pour ça que je peux déjà vous dire qu'il est magnifique. Voilà. Donc, il arrive avec euh, sa carte. De visite où vous avez bah, tous, ces, tous ces liens, hein, Facebook, Instagram, sa boutique Etsy et son site internet. Je vous mettrai évidemment tout ça dans la barre de description. C'est là que vous allez pouvoir retrouver bien son jeu, le petit mot qu'elle m'a mis, que je vais garder précieusement. Et euh, regardez-moi ça comme il est beau. Le paquet. Je trouve ça magnifique avec son logo ici. On dirait un poisson ou un caméléon, un caméléon je dirais plutôt. Et on retrouve encore ici une petite carte merci de remerciement quand vous achetez le jeu. Merci pour votre achat. J'espère que votre commande vous apportera entière satisfaction, Virginie. Donc ça ce sont toujours des choses qui font plaisir. Je l'avais mis sur une fleur, euh, une fleur de vie que j'ai reçue euh, de ma belle Karine Vigoureux. Voilà, je trouvais que c'était joli. Alors bien, on va l'ouvrir ensemble. Donc il est emballé euh, dans un beau papier de soie. Hein que malheureusement je vais devoir déchirer. Je vais essayer de garder le logo parce que j'aime bien le logo. C'est très joli. Peut-être que je ferai récupérer du coup le petit autocollant. On va voir. Bon, du coup, désolé, hein, ça prend plus de temps. Hein. Voilà. Voilà la boîte. Regardez comme il est beau. L'oracle divinatoire, Aurora le Normand. Voilà dans une tute box et regardez-moi ces illustrations si elles sont pas magnifiques donc on va lire ensemble Mais ce qui est écrit au dos un oracle divinatoire composé de 36 cartes basées sur le système du petit le normand explorez votre destinée, trouvez des réponses et éveillez votre intuition grâce à ce jeu conçu pour offrir des réponses claires, précises et fournir des conseils pratiques sur différents aspects de la vie. Voilà, donc on va l'ouvrir ensemble. Je suis trop curieuse. Hop, hop, hop. Oh là là, rien que la première carte déjà. Elle est trop belle. Ah, ici, on a un petit fascicule. qui Il y a de l'électricité statique. On va le regarder ensemble, quand même, hein, le petit fascicule. Voilà. Avec les mots-clés. Ah, ça, c'est chouette. Les mots-clés bah, pour toutes les cartes, du coup. Et alors derrière, on retrouve euh, les cartes maîtresses. Par exemple, euh, l'amour sera représenté par le cœur, l'argent par l'ours, etc. Et alors ici, on a euh, ce que je vous ai dit du dos. Et de nouveau, ces petits réseaux sociaux. Et c'est la première édition 2023. Il est imprimé en France. Ça, c'est chouette aussi. Voilà. Alors, bon, ça, je vais remettre. Non, je ne vais pas le remettre dedans parce qu'on en aura peut-être besoin après. On va prendre directement une, une carte du tarot classique pour vous montrer la taille. Voilà. Ce n'est pas les toutes petites cartes, de le Normand. Je dirais plutôt euh, format euh, carte poker, euh, carte à jouer. Voilà. Mais euh, moi, j'aime bien ce format. Voilà. Donc. Je vais quand même d'abord vous montrer le dos. Magnifique. Dit... J'ai l'impression que c'est de l'aquarelle. Hein. La qualité est très bonne. Elles sont euh, un peu glossy. Voilà, donc elles sont sur fond blanc. On retrouve le signe de cartomancie. Je sais qu'il y en a qui... Qui... Enfin, qui ont besoin de ça pour travailler avec le Normand. Le numéro de la carte et l'illustration. Et rien que ce cavalier, regardez-moi ça comme il est magnifique. Les noms ne sont pas écrits dessus, c'est vrai. Mais ça, ma foi, moi, ça ne me dérange pas. Mais je préfère vous le dire. Le trèfle. Oh, les illustrations, mais sont tellement belles. Le vaisseau, le navire. La maison qui est magnifique. L'arbre, et sur fond blanc, comme ça, je trouve ça très beau. Les nuages. Le serpent est très beau aussi. Hein, même si euh, j'ai un peu peur des serpents, il est très beau. Le cercueil. Bon, ça reste un cercueil, mais dans ces tons euh, roses, je trouve ça moins violent. Voilà, moi, j'aime encore bien. Le, les fleurs, le bouquet, je pense. La faux. Waouh Avec ses épis de blé. Ah, oh, les illustrations sont belles. La verge ou la faux. Oh mon Dieu, ces oiseaux, qu'est-ce qu'ils sont beaux Oh, les couleurs Waouh L'enfant. Oh, et ce renard aussi, il est magnifique. Magnifique. Je savais que, oh, que j'allais l'adorer. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est beau. Oh, l'étoile aussi est magnifique. Bon, ben, vous allez entendre beaucoup de fois le mot magnifique. Il est vraiment beau. Hein. Regardez cette cigogne comme le jeu des couleurs de son plumage. Oh, c'est trop beau. Ah, j'adore le chien. Waouh! Oh, la tour aussi est magnifique. Franchement, il est magnifique. Vraiment. Le jardin, si je ne dis pas de bêtises. Oh, même la montagne, elle est très belle, hein, avec ce côté un peu enneigé. Waouh! Oh, les chemins, très belles aussi. J'aime bien sur le panneau, vous voyez. Prudence, aventure. Et un petit côté automnal cette carte. Très, très... Oh! Oh mon dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Bon, vous savez que c'est ma carte préférée du Le Normand, hein. même si ce n'est pas une carte positive en soi, mais bon, vous savez à quel point j'aime les souris, les rats, le cœur. Je fais un clin d'œil d'ailleurs à Dominique si tu passes par là. <laughs> mais non, à chaque fois que je vois une souris, je pense à toi. Les anneaux. Enfin, l'anneau plutôt. Le livre. La lettre, oh il est vraiment les couleurs, moi franchement j'adore. Oh l'homme aussi il est beau, hein. l'homme et la femme. Et pour ceux qui aiment bien, ils peuvent se faire dos ou ils peuvent se faire face. Je sais qu'il y en a qui vaut importance à ça aussi. Par contre il n'y a qu'un homme et une femme, il n'y a pas les deux de chaque. Les lys. Waouh le soleil et la lune. Très très belle aussi. Hein. La clé magnifique. Poisson, l'encre et la croix qui est magnifique aussi. Voilà pour ce magnifique, magnifique, magnifique Aurora le Normand euh, autopublié hein, par Virginie, euh, l'évêque, du coup, qui a la C'est vrai que je ne vous ai pas dit l'Instagram Virginie, graphique. Voilà. Oh là là, je, je suis euh, franchement sous le charme des illustrations, je le trouve magnifique. Euh, mention spéciale pour ces oiseaux qui sont trop beaux. Euh, voilà, les cartes sont super qualité, le dos est magnifique, j'adore ce côté épuré, les tranches, je ne vous ai pas dit, elles sont blanches. Euh, voilà, franchement le petit livret avec, avec les mots-clés, euh, franchement moi j'adore. Voilà, c'est un magnifique petit le normand. Je vous mets les liens, du couvert sa boutique vers son site, si vous voulez aller jeter un coup d'œil pour vous le procurer. Et euh, encore un énorme merci, évidemment, à Virginie qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Franchement, je suis ravie. Et pour le reste, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous